Les acteurs sont des lâches. Les acteurs n'ont pas de courage. Moi, le premier. Les qualités humaines habituelles dans le monde normal sont contraires au bien de l'acteur. Toute ta vie, t'exerces une activité de femelle. Tu veux être désiré. Tu veux plaire. Quand on a dit à mon père il veut être acteur, il a répondu « Ah bon, il veut être pédé ?» Les acteurs sont devenus des notables. On leur demande leur avis sur l'immigration et les OGM. Ce sont des notables, ils sont respectés et célébrés. Nous, quand on s'est lancé là-dedans, c'était une déchéance pour nos familles. Les actrices étaient des putes, des vraies roulures. Elles étaient maîtresses de ministres. Elles allaient de lit en lit. Ce sont devenues des bourgeoises. Il y en a même qui sont catholiques. Il y a 100 ans, elles étaient excommuniées. Franchement, elles sont pas rancunières. En ce moment, j'interprète une pièce d'Olmo Panero. Je suis un gérant d'immeuble, veuf, qui entame une liaison avec une femme plus âgée que lui, qui a 2 filles actrices. Un homme bon et ennuyeux. Une composition. Je me flatte, n'est-ce pas, de n'être ni bon ni ennuyeux dans la vie réelle. Bien que je ne puisse dire exactement en quoi consiste la vie réelle. Quand tu quittes un personnage et ses alentours, tu as plus de nostalgie que si tu avais quitté un lieu réel. La vie réelle est lente et vide. J'ai une grande scène de séduction dans cette pièce. Il n'y a que moi qui parle. Ma partenaire ne dit pas un mot, pour ainsi dire, et rafle la mise. Elle n'ouvre pas la bouche et on ne voit qu'elle. Je lui sers la scène sur un plateau d'argent. La phrase la plus courante, vous l'avez peut-être prononcée vous-même, Pilar, c'est « Que fait le syndic ?» Le syndic ne fait rien. Soit nous sommes trop au bureau et pas assez dans les immeubles, soit nous sommes dans les immeubles et on nous reproche d'être injoignables. D'où le syndic ne répond jamais. Le problème, c'est qu'on ne nous apprend pas à gérer les gens. Faire respecter les lois est difficile. Gérer les gens. Les gens réclament, mais ne connaissent ni leurs droits, ni leurs devoirs. Vous devez comprendre, Pilar, que le gérant, l'administrateur de biens, qui entre parenthèses sont les descendants directs des régisseurs, les oncles Vania d'aujourd'hui, en quelque sorte, sont obligés, en sus des compétences minimales de base, qui vous étonnerait, d'être des pédagogues. Bien sûr. Avez-vous une idée des compétences minimales de base pour être gérant ? Non. Non, bien sûr, personne n'en a idée. Eh bien, je peux faire fort de vous surprendre, Pilar. Le gérant doit avoir des compétences en fiscalité, en comptabilité, en droit social et salarial, en droit des assurances pour la gestion des entreprises, des compétences juridiques. Si vous saviez le nombre de procès à la clé, quelquefois sérieux. C'est incroyable. Des compétences techniques qu'on acquiert sur le tas. Avec les entreprises, bien sûr. Le syndic est soumis à tellement de pression que ça m'a appris, en dépit de mon côté passionné, l'usage de cette flèche immobile, la neutralité. Je comprends. Je ne supporte pas d'être engoncée. Je ne mets jamais de col roulé, je ne mets jamais de collier, Françoise. Je ne mets rien autour du cou. Je ne peux pas jouer avec un jabot. Pourquoi faut-il que Pilar soit coincée ? Je suis une femme séduisante, Françoise. Je suis une femme qui séduit un bel homme veuf qui a toutes les femmes qui pépillent autour de lui. Pour moi, une femme qui va à son premier rendez-vous dans cette tenue a perdu la tête, Françoise. Je vous le dis franchement, avec tout le respect que j'ai pour votre talent. Je veux bien fermer les yeux sur le tailleur rouge du jardin. Encore qu'une femme de mon âge, même espagnole, qui a un tant soit peu d'élégance, n'aurait pas l'idée de se mettre en rouge. Je ferme les yeux sur le tailleur, mais je ne peux les fermer sur le chemisier à col jabot de dentelle, que vous appelez col Danton. Comme si ce mot pouvait bannir la sensation d'étranglement que j'ai éprouvée hier, lorsque nous avons répété pour la première fois en costume la scène. Vous remarquerez que je n'ai rien dit au metteur en scène, Françoise. Il n'y a rien de positif dans cette abstinence. Il pencherait de votre côté. Un acteur qui aimait une réserve sur son costume est aussitôt soupçonné d'être mal à l'aise dans son personnage. Alors je suis très à l'aise dans Pilar. D'ailleurs, je suis très à l'aise dans vos autres costumes, Françoise, vous l'avez noté. Vous avez pris le parti des couleurs crues, et je vous suis. Je vous suggère juste, à la place du col Danton, un petit col Claudine, un mi-chemin entre le strict et le féminin. Françoise,
Essayons de ne pas être chacun pour soi. Pensons au théâtre. Pensons à Pilar. Pensons à Fernand, à leur maladresse. Pensons à l'amour qui s'installe par touche bancale. Lola, rends la pelle au petit garçon. N'interviens pas. Laisse les vivre leur vie. Elle a déjà une pelle. Elle n'a pas besoin d'avoir deux pelles. Laisse-les se débrouiller. Les parents doivent passer. Ah. Tu crois qu'ils sont en souffre? Qui? Bah, Nouria et Gary Tilton. Montre. Elle dit que non, mais ils ont l'air ensemble. Vraiment mignon, lui. Tu vois? Putain, et bodybuildé. Toi aussi, tu es teint. Oh, bah, ça va, hurle-le. Mais pourquoi il serait teint? Il a à peine 40 ans. Ha, 50, au moins. Gary Tilton a 40 ans, Marianne. Laisse-lui le râteau, au moins. Laisse-lui le râteau, Lola. Elle parle de moi. Ma sœur est plus rare que moi. Je l'ai toujours admirée. J'ai voulu faire ce métier parce que je l'admirais. Je voulais la copier. J'ai toujours pensé qu'elle avait plus de talent que moi. Bah c'est gentil. Sous-entendu, la pauvre n'a pas eu ma chance. Ça n'a rien de gentil. Démagogie, condescendance et pitié. Ridicule. C'est fascinant de dire « ma sœur est plus rare que moi » quand je sais très bien qu'elle pense qu'il était naturel que je m'encroute avec un prof de maths, étant donné mon tempérament de ménagère, Dixie Cristal, et je la crois. Les gens dont on dit qu'ils ont plus de talent que vous sont les gens qui ne vous font aucune ombre. Oh, au fait, Cristal a pris un amant. Mm-hmm. Au bout de deux jours, le type l'aime trop. Ne dort plus, ne mange plus et ne veut plus l'avoir pour éviter de souffrir. Ah, la pauvre qui avait recommencé à s'épiler et à s'intéresser à elle. J'ai dit, mais enfin, Cristal, qui veut d'un type qui ne dort plus et qui ne mange plus? Personne ne veut ça. Elle me dit oui, d'autant qu'en voiture, elle m'a bourré le genou, j'ai failli claquer. J'ai dit, comment c'est qu'elle bourrait le genou? Elle me dit, tu sais, ce genre de caresse horripilante que les types font d'une main en cuisinant, en voiture. Mais j'avais franchi le pas. Je m'étais créé une trompe d'air, tout ça pour repartir nuit à nuit avec Hannibal, qui n'a rien trouvé de mieux que de prendre sa mère chez nous pendant ses travaux. La me tape avec le râteau. Lola, tu ne tapes pas, chérie! Tu ne tapes pas le petit garçon avec le râteau! Je répète une pièce d'Olmo Panero. Je joue Mariano, un prof de maths qui a épousé une actrice. Un type mou et sans moralité. Sans moralité est séduisant, mais dans mou et sans moralité, c'est mou qui l'emporte. Le sans moralité est la conséquence du mou, de sorte que sans moralité n'a plus aucune ampleur. Quand vous jouez un mou sans moralité, vous pouvez vous contenter d'être seulement mou, hein. Il n'y a plus aucune dimension active dans le sans moralité. C'est dommage. Donc, je suis l'actrice qui joue Mariano, un mou. Un type sans volonté, donc sans moralité. Car on ne peut pas s'attendre à de la moralité sans volonté. En revanche, je pourrais être sans moralité, sans être dénué de volonté, non? Mais c'est sur cette hypothèse que je fonde mon regret. Tu pourrais m'adresser la parole de temps en temps, hein? Pour dire quoi? J'endure la vie de tes... J'ai un sentiment de mort ici. J'endure la vie de tes sœurs en regardant des êtres informes se montrer dans un sable dégueulasse et gueuler pour un râteau. Tu veux quoi ce problème? C'est pire. Et qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que tu fais là? Du cognac. Du cognac? Tu sors avec ton cognac maintenant? Et depuis quand tu fais ça? Depuis toujours. Mais tu bois, Mariano? Non, je ne bois pas. Ah si, 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 si. Tu bois? Je ne bois qu'en réaction. En réaction à quoi? Tout le monde te voit. Coucou. Coucou. C'est inhumain ce qu'on fait là. Hein? Et qu'est-ce qu'on fait? Être là, c'est inhumain. Tu devrais boire un petit coup, tu verrais que la journée serait plus légère. Je suis épouvantée. Et moi, je suis épouvantée par ta capacité à endurer des après-midi de ce genre. Ah, voilà, là tu es belle. Tu vois comme c'est merveilleux quand tu as les cheveux défaits. Tu parais 10 ans de moins. Et là? C'est une photo du film. Tu es un chignon dans le film? Oui. C'est dommage. C'est pas dommage, c'est le personnage. Et le personnage a un chignon? Oui, tout le temps. C'est dommage qu'on voit tes cheveux. Maman, on s'en fout de mes cheveux! Tu vas pas commencer à me crier dessus comme ta sœur. Tu sais comment elle te désigne maintenant? Elle dit celle-là. Je fais une réflexion sur Lola, qui entre nous se tient de plus en plus mal. Je fais une réflexion sur le portable de Lola. Elle a un portable? Elle a un portable! Un faux, mais qui est pire qu'un vrai au niveau du bruit. J'estime qu'on devrait aller confisquer le portable en société.
Elle dit à Mariano, ma fille me tue, et celle-là me fait des leçons d'éducation. C'est normal d'après toi, Nouria. Tu la connais, hein. J'ai raconté ça à Fernand, qui est d'accord que ce n'est pas normal. Tu lui parles de nous? Pourquoi tu lui parles de nous? De quoi veux-tu qu'on parle? On parle de nos vies. Je te défends de lui parler de nous. Tu ne me défends rien du tout. Et déjà, si tu ne veux pas qu'on parle de toi, ne fais pas d'article dans les journaux. C'est mon métier, maman. Ça n'a rien à voir. C'est ton métier. Et moi, mon métier, c'est de parler de mes enfants à mon fiancé. À ton fiancé? Tu veux que je dise quoi? Maman, ne dis pas mon fiancé même pour rire. Mais pourquoi? Parce que c'est ridicule, maman. Peut-être. Mais moi, je trouve ça joli. Je trouve ça joli, mon fiancé à mon âge. Et puis, je me fiche du ridicule. Et lui, il dit ma fiancée? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il parle de moi. Bon alors, laisse-moi lire. J'ai aimé ce film, moi? Non. Pourquoi je n'aimerais pas? Parce que tu n'aimes pas ce genre de film. On ne rit pas? Pas du tout. C'est dommage, les gens aiment rire. Eh bien, ils ne riront pas. C'est dommage. Oui. Et Gary Tilton, il est encore à Madrid? Maman, qu'est-ce que ça peut te faire? Un jour, tu vas être appelée par Hollywood comme Penelope Cruz. Ouais, quand j'aurai 50 ans pour faire sa mère. Oh, tiens, ce que je dis, tu verras. Comptez vivre ensemble avec Fernand? Oh, je ne sais pas. D'abord, j'aimerais qu'il vous plaise. Tu me diras s'il fait plus jeune que moi. Quel dommage que Christelle soit clouée à Barcelone. J'aurais aimé avoir mes trois chéries. Je ne vous ai plus jamais toutes les trois. Je parle d'Aurélia dans l'article. Ah bon? Où ça? Ah, c'est gentil ce que tu dis. Ça va lui faire un plaisir fou. Hein. C'est vrai qu'elle a beaucoup de talent, ta sœur. Plus que moi? On ne peut pas comparer, mon trésor. Toi, tu as la beauté en plus. Vous me troublez. Vous me troublez. Il le dit deux fois? Bah non, mais tu ne répondais pas. Parce que j'ai 100 ans. Vous me troublez. Chaque mardi, Monsieur Kiss, je traverse le fleuve pour venir chez vous. Et sur le pont, chaque mardi, j'envisage ce que nous pourrions étudier après le Mendelssohn. Ensuite, je m'assois sur ce siège inconfortable. Je prends soin de me reculer pour vous mettre à l'aise. Je ne sors jamais de ma sacoche les partitions que j'ai apportées, car vous ne faites aucun progrès. J'apprécie la courbure de votre nuque et votre application d'enfant. Je m'apprête à prononcer les mots définitifs qu'un professeur normal prononcerait. Quel mot? Puis vous dites, vous me troublez. D'autres fois, vous étiez troublé par le froid ou par le métronome. Avouez que ce n'est pas la même chose d'être troublé par le métronome. A-t-on raison d'employer le même mot? D'autant que vous ne vous retournez pas. Vous dites, vous me troublez, sans vous retourner. Ni vous, ni moi ne bougeons. Voulez-vous que nous abandonnions la même salle? Je sais! Mais laisse-moi mettre un temps! D'autant que vous ne vous retournez pas. Vous dites, vous me troublez, sans vous retourner. Ni vous, ni moi, ne bougeons. Voulez-vous que nous abandonnions le Mendelssohn? Mademoiselle Wurtz, vous qui m'observez de dos, avez-vous remarqué que je me tenais légèrement penchée d'un côté? Que je m'affaissais sous le poids d'une pression invisible? C'est votre main, mademoiselle Wurtz, votre main confiante posée sur mon épaule. J'agonise. Monsieur Kiss, je me tiens, vous le savez, de façon immensément passagère. Voulez-vous que nous jetions aux orties ce Mendelssohn et tout ce qui doit nous assombrir? Mais qui peut aller voir ça?
Panero a traversé les Pyrénées pour nous dire que les mots étaient des parenthèses de silence. Avant d'articuler cette phrase, il s'est assis au fond de la salle, sur le côté, dans l'angle mort de la lumière de service. Il est ce qu'on appelle un jeune auteur, un garçon qui a un certain succès dans son pays. Un jeune auteur, bien qu'il ne soit pas spécialement jeune, le temps est souple pour les auteurs. Il est venu spécialement de Madrid assister à quelques répétitions. Il s'est assis au fond de la salle, sur le côté, dans l'angle mort de la lumière de service, de sorte qu'on ne peut distinguer aucun de ses traits. À partir de l'instant où Olmo Panero disparaît quelque part dans une rangée du fond, il n'y a plus rien de naturel dans mon comportement. Je fabrique au jugé un personnage sorti de l'ordinaire. Mes gestes, mes intonations, mes fausses humeurs, mes plaisanteries d'ambiance, je fais mon magnifique pour la tache d'ombre au fond. Je veux qu'Olmo m'adore, je veux qu'il soit saisi par ma dimension, je veux qu'il pense que je suis le plus somptueux, l'acteur le plus somptueux, le plus grand Fernand qu'il ait vu, le plus grand Fernand de tous les temps. À la fin de la répétition, il quitte sa place et s'avance. Il dit que les mots ne sont que des parenthèses de silence. Il a traversé les Pyrénées pour dire cette phrase à moi en particulier. J'ai dit à Aurélien, hein, cite-moi un seul muscle chez Sergio, hein, un seul qui te ferait dire, tiens, c'est un deuxième dan d'aïkido. Il dit qu'il a renoncé à l'aïkido, il n'a jamais pensé à faire de l'aïkido, ni à faire aucun sport. Sergio Moratti, j'aimais bien ce garçon, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est dans une maison de santé. Ah bon? Ouais. Quand il a appris que sa femme le trompait, il a tenté de se suicider au couteau devant les enfants. Il s'est lacéré le ventre. Devant les enfants. Devant les enfants? Ouais, qui étaient déjà pas tout à fait normaux. Qu'est-ce qu'ils avaient? Le grand avait installé une morgue dans sa chambre. Une morgue? Oui, avec des cadavres d'insectes. Et la petite se changeait environ 10 fois par jour. La fille passe bien l'aspirateur, non? Quel rapport? Eh ben, moi je trouvais ça un peu curieux, excuse-moi. Un enfant qui s'en réjouit d'avoir un aspirateur pour son anniversaire. Ma nièce a demandé un aspirateur pour ses 3 ans. Ouais, depuis nous avons envoyé la femme de ménage. N'empêche qu'elle le fait très bien. Elle l'a apporté dimanche dernier, elle a fait l'entrée et la chambre, dis donc drôlement consciencieuse. Elle ne peut plus s'arrêter, oh, c'est une passion. J'ai sans cesse du personnel d'entretien. Excusez-moi, mais cette conversation m'indispose. Et puis l'avantage avec sa tête, si c'est qu'elle encore un mot, je m'en vais. Mais qu'est-ce qu'il y a de grave, chérie? On rit. Et moi, je ne ris pas. Et toi, ça t'amuse de ridiculiser ta fille comme ça? En connaissant qu'elle passe l'aspirateur. Hein. Et alors, c'est interdit? Mais c'est toi qui en fais une affaire. J'en fais une affaire parce que je sais très bien ce qu'il y a derrière ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, chérie? Maman, il y a derrière ça que cet enfant ne passe pas l'aspirateur par hasard. Il y a derrière ça que le modèle de cet enfant est domestique. Cela relève du même venin que de me dire que je suis bien organisée, que je suis prévoyante. Sous-entendu, notons au passage, le fossé entre l'artiste et la petite bourgeoise. Bon alors, vous n'allez pas vous disputer aujourd'hui. Fernand, voilà ce que c'est que d'avoir deux filles. Elle devient paranoïaque. Si tu trouves que je deviens paranoïaque, tu me regardes en face et tu me dis, tu es paranoïaque. Tu ne regardes pas mon mari pour lui dire que je deviens paranoïaque. Tu ne cherches pas auprès de mon mari, qui est un légume et qui ne prend jamais mon parti, un soutien misérable. Maman, s'il te plaît, est-ce que tu as du faux sucre? Tu es paranoïaque. Voilà, je préfère. Et si ça te perturbe à ce point, rassure-toi, je ne dirai plus jamais que Lola passe l'aspirateur. Tu peux parfaitement dire que Lola passe l'aspirateur. Mais tu ne peux pas dire
que Lola passe l'aspirateur au même titre que la petite Cernoude, qui part en classe au mois de janvier avec son débardeur sans manches et qui est complètement déglingué. Chérie, tu ne m'as pas dit comment se passaient tes répétitions. Très bien. Tu es contente du metteur en scène? Vous répétez quoi? Pièce bulgare des années 70. Ah oui, d'une grande gaieté. C'est vrai? Pourquoi vous ne faites jamais des choses gaies? Les gens aiment les choses gaies. Fernand, vous intéresse au théâtre? Ah oui, beaucoup, vous savez. J'ai une formation littéraire et philosophique. Vous y allez? Autrefois souvent, plusieurs fois par an, à Maria Guerrera, au Bellas Artes. Ah, vous n'y allez plus? Je suis moins organisée. C'était ma femme qui organisait ces sorties. Je vais au cinéma en revanche. Je vois tous vos films. Merci. Ça, c'est vrai. Même avant que je le connaisse, il te connaissait par cœur. Merci. Et de quoi parle votre pièce? Oh, de pas grand-chose. Ah, si, si, raconte. Une histoire très banale en elle-même. Ah oui, mais dans un style qui va vous plaire. Un professeur de piano, je joue, tombe amoureuse de son élève. Un homme plus âgé qui est marié. Et lui, tombe amoureuse d'elle? On ne sait pas. Je répète une pièce espagnole dans laquelle je joue une actrice qui répète une pièce bulgare. J'enseigne le piano à un homme marié dont je m'éprends. Nous répétons un prélude de Mendelssohn, une œuvre peu connue, extraite des 6 préludes et fugues, écrite en hommage à Bach, sur une longue période, sans plan, sans désir de faire une œuvre. L'homme ne répète jamais son piano. Au fur et à mesure, je suis de moins en moins légitime. Car aimer ne signifie pas être légitime. Lui ne me dit jamais de ne plus venir. J'ai peur de cette phrase. Je la redoute à chaque fois. Cette pièce est sur la solitude et le temps qui passe. Deux sujets irréparablement liés. Mon mari, dans la pièce espagnole, trouve cette pièce bulgare sinistre. Ma mère voudrait que je joue des choses gaies. J'aime jouer des choses gaies. Je ne trouve pas les choses gaies inférieures aux choses tristes. Mais quand même, les choses tristes restent plus en vous. Longtemps. Gauthier Solo a compris que j'étais incontournable dans l'immeuble, alors que pourtant je ne fais même pas partie du conseil syndical. Hein. Ben, Gauthier Solo a demandé à Maragnon, le syndic, s'il fallait vraiment couper le lierre, c'est-à-dire obéir aux injonctions de la folle, la voisine, et ben Maragnon a renvoyé un papier officiel précisant que quand tu as un mur mitoyen, tu n'as pas le droit de planter à moins de 3 mètres du mur. Exact. Encore faut-il s'entendre sur le statut de mitoyenneté. Eh ben voyez comme c'est facile, hein. Pépignolet, qui est au rez-de-chaussée et s'occupe du jardin, enfin, ce que nous appelons jardin, en réalité la cour, parce qu'il s'est lui-même proposé de le faire, hein, soi-disant il s'intéresse aux plantes. Bon, pourquoi pas? Eh ben Pépignolet est vendu à la femme d'à côté. Et pourquoi vendu? Pour qu'on lui nettoie sa gouttière dans laquelle le lierre rentre, car il a peur de monter lui-même sur une échelle. Donc, on se réunit chez Gauthier Solo, avec Gauthier Solo, Franco, Maragnon, Pépignolet et moi, qui n'a rien à voir, je ne fais pas partie du syndic. Hein. Bon, on décide de couper le lierre, de peur du procès. Franco et Gauthier Solo font comprendre à Pépignolet que toutes ces plantations, c'est de la merde. Mais qu'est-ce qu'il y a, Aurélia? Qu'est-ce qu'il y a? Fernand comprend très bien ce que je dis. Fernand hein s'en fout, il voit ça tous les jours. Ça ne me gêne pas. Ça ne le gêne pas. Mais ça ne le passionne pas non plus, hein. Vous savez pourquoi vous ne le vire pas, Fernand? Bah, je ne parle pas de vous, hein, mais de vos congénères. Vous savez à quoi vous devez votre maintien? Alors que vous êtes révocable d'être notre homme, hein. À notre inertie. Les hommes sont inertes. Qu'est-ce qui t'arrive, Mariano? T'es ivre mort? Mariano, pourquoi tu bois comme ça? Oh, ça va, dès que quelqu'un quitte la position feutrée, il boit. Oh, il boit. Et maintenant, il boit au grand jour. Tu bois, Mariano? Maman, s'il te plaît. Excuse-toi. Mais Fernand sait que je ne parle pas de lui, enfin. D'abord, je ne le prends pas personnellement, et en outre, je suis d'accord. Je suis le premier à condamner l'inertie de la clientèle. Voilà. Une inertie à deux volets, cependant, Mariano. Car tout aussi navrante est la non-manifestation du client satisfait. Le client satisfait n'avouera jamais qu'il est satisfait, alors qu'il pourrait nous servir de gouvernail et nous tirer vers le meilleur, en définitive. Ah bah, présentez-moi le client satisfait, Fernand. Moi, j'aimerais rencontrer ce garçon, hein. Eh bien, moi. Moi, Mariano.
tu as devant toi la cliente satisfaite. Ah d'accord, c'est d'ailleurs comme ça que nous avons lié connaissance. Nouria, au fait, as-tu apporté les robes, chérie? Ouais. Mais montre, montre. Il faut les voir sur moi, ça n'a pas d'intérêt de les voir comme ça. Eh ben, passe-les. Maintenant. Elle doit choisir sa robe pour les Goya, elle hésite entre deux. Mais oui, c'est amusant, va t'aider. D'où vient ce cake, maman? C'est un petit fruit, ça. Tu as deux boulangeries dans la rue et tu achètes un surgelé. Je voulais le faire moi-même, mais je n'ai pas eu le temps. Il n'est pas bon? Infâme. Tu l'as goûté, non? Je préfère ton brasseau des gitanons. Mais la vérité, c'est que je voulais le faire moi-même, mais je n'ai le temps de rien ces temps-ci. Mais qu'est-ce que tu fais? Je n'arrête pas. Je m'occupe de la maison, je couds, je m'occupe de ta fille, je vois mon fiancé, je m'occupe de mes amis. Hier ce matin, Christine. Maman, on s'en fout, on s'en fout complètement. Tu ne vas pas nous raconter en détail tes journées. Quant à Lola, tu t'en occupes un seul jour par semaine. Si ça te dérange, je peux tout à fait m'organiser autrement, hein. Mais tu me demandes ce que je fais, je te réponds. Pourquoi tu es si nerveuse, Aurélia? Elle est terriblement nerveuse. Ah oui, elle est très très nerveuse, la pauvre. Ah bah pour à 100%. Ce silence m'inquiète. Ah non, je suis enthousiasmée par cette tenue, hein. Oui. Il faut que je voie l'autre. Moi, je t'accompagne, hein. C'est pas extraordinaire, tu es seule. J'y vais avec Gary Tilton. Il est encore à Madrid. Mais j'aurais accepté avec plaisir, hein. Et Fernand, soyez franc, Fernand. Votre avis compte par-dessus les autres, puisque vous êtes la seule personne étrangère, le seul regard objectif en quelque sorte. Alors là, vous tombez très mal, Nouria, je n'y connais strictement rien en matière de mode, surtout féminine. Je suis zéro, votre maman le sait. Vous me trouvez belle? Belle, bien sûr, bien sûr. Je vais mettre l'autre. C'est extravagant que tu suggères de l'accompagner. Tu crois qu'elle est avec Gary Tilton? Bah, tu serais allée avec ma sœur, à moitié à poil, au Goya. Oh, brûle mal. Un Gary Tilton ne reste pas en Espagne sans une bonne raison. Maman, on se fout de Gary Tilton. Mais pourquoi tu me parles comme ça? Tu vois Fernand comment elle me traite? Si tu veux savoir si elle est avec Gary Tilton, demande-lui. Pourquoi tu me demandes à moi? Mais on ne dit jamais rien, je suis toujours la dernière informée. Interroge-toi. Mais tu vois, tu vois. Qu'est-ce qu'il voit? Que voyez-vous, Fernand? Elle vous rend très antipathique, vous savez. Allons. Vas-tu coacher, Fernand? Non, merci, je suis heureux avec mon truc. Personne ne touche jamais une cake. Approbation générale. Fernand, toujours pas d'amis. Celle-là est plus triste, on dirait. Mariano. Pour ma part, si j'ai l'autorisation de m'exprimer, je dirais que une femme qui va à la fête dans cette robe va au-devant du chagrin. Ou l'espère. Ou s'y destine ardemment. Quant à moi, si tu me demandes, je les trouve épouvantables, l'une et l'autre. Pourquoi tu dis ça, Auri? C'est méchant. Non. Bah, c'est à la mode, c'est moderne, mais elle peut tout à fait se le permettre. Sûrement. Et puis si tu ne les aimes pas, tu peux le dire autrement. Il n'y a pas de bonne manière, maman, pour moi, d'exprimer mon opinion, car je ne peux pas critiquer ces robes hideuses sans qu'on pense aussitôt la pauvre Aurélien. La pauvre Aurélia aurait aimé aller à la fête du cinéma au bras d'une vedette américaine. Elle est aigrie et jalouse de sa sœur, la pauvre, elle pour qui on va devoir se trimballer en banlieue pour applaudir une pièce bulgare à base de silence et de Mendelssohn, ne peut pas, il faut la comprendre, apprécier les élans néo poétiques de son mari, ne peut pas voir avec légèreté l'originalité de ses robes et encore moins évaluer leur mélancolique sous-texte. Voilà pourquoi... Pardonne-moi, Nouria, je te livre mon impression avec une brutalité indépendante de ma volonté. Eh bien, moi, je ne vous trouve pas aigrie, Aurélia, mais courageuse. Courageuse et généreuse. Et pour ma part, Nouria, puisque vous m'avez invitée à parler et qu'elle m'en donne à présent le courage, permettez-moi de vous dire, inutile de vous embarrasser de ces robes. Elles affadissent votre personnalité.
Vous n'avez aucun besoin de vous singulariser avec un vêtement. Ça me vexe que tu puisses penser qu'on ne se fait pas une joie de venir te voir au théâtre. Ça me vexe beaucoup. On se fait une joie, c'est vrai. Grâce à vous, je renoue avec mes humanités. Elles sont hideuses. Elle a raison. Je hais ces robes. Je les hais. Je me suis laissée embobiner par l'attaché de presse, cette conne. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre maintenant? Tu vas en trouver une autre, chérie. Quand? Un dimanche? La soirée est foutue, c'est même pas la peine que j'y aille. Moi, je persiste à dire que la première... C'est normal, un type pourrait aimer les putes. Mais quand a lieu la cérémonie? Lundi soir. Et on trouve pas de robe à lundi? Non. Et pourquoi? Parce que lundi, Fernand, pour que vous compreniez, c'est-à-dire au dernier moment, je vais trouver un pis-aller, une tenue bâtarde dans laquelle, alors que je m'expose devant toute l'Espagne, je vais me sentir moi-même bâtard. Par conséquent, ma soirée est foutue, quoi qu'il arrive. Parce qu'une femme qui s'expose, Fernand, devant toute l'Espagne, elle ne peut pas être inférieure à l'idée qu'elle se fait de son rayonnement. Tu es rentrée dans l'intimité d'une star. Tu découvres ce que c'est. Il est assez grand maman pour se faire une idée personnelle de ce qu'il voit. Il n'a pas besoin d'une visite guidée. Je ne vous trouve pas très gentille avec votre maman. Je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais je ne vous trouve pas très gentille avec votre maman. Moi, je ne suis pas très gentille, c'est vrai. Non, gentille avec personne. Oh, maman, tu vas pas te mettre à pleurer, c'est dément. Je pleure pas. Bah pourquoi tu te mouches? Je me mouche parce que je me mouche. Je comprends pas pourquoi elle pleure, y'a aucune raison de pleurer. Elle pleure pas, elle se mouche. Puisqu'elle te dit qu'elle se mouche. Pilar, vous vous mouchez? Bon bah voilà, tu vois, elle se mouche. De deux choses, lui. Du point de vue de son état juridique, ou bien le mur appartient en totalité à la voisine, ou bien il a cheval sur la limite séparatrice des deux fonds. Dans le premier cas, l'entretien du mur est à supporter seulement par la voisine. Et si elle arrive à prouver que le lierre dégrade son mur, alors elle peut obtenir des dommages d'intérêt. Mais si le mur est mitoyen, l'entretien du mur et son ornementation sont partagés à 50-50 entre les deux propriétaires, auquel cas, naturellement, l'affaire du lierre est plus complexe. En ce qui concerne l'entretien de la cour par le prothésiste, toujours sur le plan juridique, la cour n'est pas devenue privative à son usage. Il s'agit là d'une délégation de l'Assemblée Générale au profit du prothésiste d'entretenir et d'orner une partie commune. Est-ce que cette délégation a été retranscrite quelque part dans un procès-verbal sous forme de décision? Si tel est le cas, le syndic ne fait qu'appliquer la décision de l'Assemblée, de sorte que mon confrère me paraît injustement accusé. Car je le répète, le syndic ne fait qu'appliquer les décisions de l'Assemblée. Si le syndic s'était mis d'accord ou avait laissé faire le prothésiste sans consulter l'Assemblée, il aurait en effet outrepassé ses pouvoirs. Naturellement. En gros, virez-moi ce pignobolé. Pépignolé. Ce pépignolé a pris la grosse tête. Sous prétexte de rez-de-chaussée, il se croit indélogeable et seul maître à bord. Virons-le. Vous êtes veuve depuis longtemps, Fernand? 3 ans. Et Pilar, enfin, je veux dire... 2 mois. Mais nous nous connaissions par l'immeuble. Ah oui? Et comment? Enfin, je voudrais pas être indiscret, mais... Non, comment? Une de ces petites péripéties qui prennent des allures de fatalité. Le tapis de l'escalier commun était déchiré sur l'arrêt d'une marche. Et nous avions beau le recoudre, il se déchirait régulièrement. Or, il se trouve que Pilar est la seule de l'immeuble à marcher avec des talons, donc la plus à même de se prendre les pieds dedans et tomber. Je suis venue à sa demande constater la dégradation. Elle m'a invitée à prendre un petit café et nous avons pris date pour un dîner. Ce couple me dégoûte. Je trouve malsain. Il a l'air d'être son fils. Il va prendre sa défense en permanence maintenant. Elle donne son avis comme si on lui demandait son avis. Tu lui as demandé. Par politesse. Je n'attends pas qu'il me donne réellement son avis. Je trouve ça dingue qu'il ose me donner son avis.
Et non seulement son avis. T'as remarqué, il me prodigue ses conseils. Quelle calamité, ces robes, si je pouvais les déchiqueter. Mais elles valent des fortunes. Hein. Tu crois que je peux remettre la mort que j'avais à Cannes et que tout le monde a vue? Au moins, je suis belle. Tu me trouves belle en ce moment? Tu trouves pas que j'ai pris un coup de bambou d'un coup? Tu sais que le coup de bambou, c'est d'un coup, hein? Tu es très belle. Moi, par contre, j'ai découvert une chose terrifiante. Mes joues n'ont plus aucune densité. Quand j'embrasse Lola, c'est ferme, c'est dense, ça résiste. Moi, touche. Tu vois, il n'y a plus rien. C'est fini, c'est mou. Bah, moi aussi. Ah oui, toi aussi. Mais moi, bon. Enfin, je sais pas ce qu'on peut faire. Il est d'un ennui. Bon, tu me diras, elle aussi, elle minaude, elle m'exaspère. Elle se fait passer pour une martyre, apparemment. Elle lui parle de nous jour et nuit. Elle lui raconte tout. Et Christelle est enceinte. Christelle est enceinte? Elle me l'a dit hier au téléphone. Mais de qui? Mais d'animal! De qui m'as-tu? Mais t'es pas au courant? Non. Elle a un amant. Christelle? Enfin, je crois que c'est fini, ça a duré 2 jours. Elle est enceinte, la pauvre! Mais elle avait l'air contente. Elle en a déjà 2. Mais elle en aurait 3. Maman, je sais. Non. Pourquoi ça n'a duré que 2 jours? Le type était fou amoureux, ne dormait plus, ne mangeait plus et ne voulait pas souffrir. Fou amoureux en 2 jours. Donc, Christelle, comme quoi? Et toi, Gary Tilton? Je ne peux pas en parler. Tu es amoureuse? Je ne peux rien dire, hein. Bon, en résumé, tout le monde s'amuse sauf moi. Lui, il est assis au piano. Moi, je regarde par la fenêtre. Après, je me déplace. Toi, tu ne bouges pas. Rien de sentimental, monsieur Kiss. Jamais. Ne rien laisser de sentimental dans le jeu et dans la sonorité. Nous sommes déjà en fa mineur, qui est la tonalité de la 3e sonate de Brahms, de la 4e ballade de Chopin avec sa coda finale que Neus définit comme la catastrophe de la passion, de la 3e sonate, opus 57 de Beethoven. Et surtout, rappelez-vous, monsieur Kiss, la sonate pour piano et violon que vous m'avez dit aimer par-dessus les autres. La passion va de pair avec la pureté et la retenue. Jouer sans créer d'autres événements que la musique. Exactitude et authenticité. Arrêtez-moi si je vous ennuie. Je vous parle comme si vous étiez un interprète de talent alors que vous êtes le pire élève que j'ai jamais eu. Vous riez? Je continue. Ne donnez pas l'impression qu'il y a un début et une fin. Rentrez dans le prélude, comme si vous formuliez tout haut et parce qu'il vous est impossible de le taire, ce qui est déjà. N'allez nulle part qui existe. Ignorez où vous allez. Rien ne va jusqu'au bout, monsieur Piss. Aucune œuvre ne va jusqu'au bout. Les œuvres s'interrompent. Il n'y a pas de fin possible. Même la mort ne finit rien. La mort n'est qu'une péripétie qui ne finit rien, ne clôt rien, ne va jamais jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? Tu me trouves comment? Bien! Est-ce qu'on sent... Quoi? Une douleur? Quelque chose qu'elle ne peut nommer autrement? Oh oui! Sans plus. Écoute, je ne sais pas, tu es là de dos, je ne te vois pas. Hein. Ce n'est pas un cours. On ne parle pas comme ça à son élève. C'est une confidence très haute. Les mots dévoilent d'autres mots. Et si on ne le sent pas... Bon ben, refais-le. Rien de sentimental, monsieur Kiss. Jamais. Ne rien laisser de sentimental. Dans le jeu et dans la sonorité. Nous sommes déjà en fa mineur, qui est la tonalité de l'opus 5 de Brahms, de la 4e ballade de Chopin, avec sa coda finale que Neus définit comme la catastrophe de la passion, de la 3e sonate, opus 57 de Beethoven,
Et surtout, rappelez-vous, monsieur Kiss, de la sonate pour piano et violon que vous m'avez dit aimer par-dessus les autres. La passion va de pair avec la pureté et la retenue. Ne donnez pas l'impression qu'il y a un début et une fin. Rentrez dans le prélude comme si vous formuliez tout haut et parce qu'il vous est impossible de le taire. Rien ne va jusqu'au bout, monsieur Kiss. Aucune œuvre ne va jusqu'au bout. Les œuvres s'interrompent. Il n'y a pas de fin possible. Même la mort ne finit rien. La mort n'est qu'une péripétie qui ne finit rien, ne clôt rien. On ne va jamais jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? Excellent! Excellent! Ça doit être bouleversant! Oui, bouleversant, excellent, c'est la même chose! Non, hein? Pas du tout! Ce n'est pas du tout la même chose, ça n'a rien à voir! Écoute Aurélia, tu me fatigues, hein. Tout ça me fatigue! Moi, si j'étais ce Kiss, je me serais tirée depuis longtemps! Hein. Et pourquoi tu n'es pas plus rassurant? Pourquoi tu n'es jamais rassurant? Parce que je ne peux pas être rassurant! Je ne peux pas être un homme rassurant! Elle se fiche des mariages, des communions, elle se fiche des anniversaires. En fait, celui de Lola, parce que c'est une enfant. Christelle m'appelle le jour de la Pilarica, c'est la seule. Les autres, pas un petit coucou, pas un petit bouquet. Christelle est la plus normale, hein, sauf qu'elle vit dans la ville où habite son père, avec sa nouvelle femme et ses nouveaux enfants, qui ont le même âge que les siens. Les autres ne jettent même plus un œil sur le calendrier. Elles se fichent de Noël, elles se fichent de tout. Tu te fiches de Noël, toi, Fernand? Tes enfants s'en fichent? Nous avons toujours tous aimé Noël. Mais voilà, moi aussi j'adore Noël. J'ai toujours adoré Noël, Fernand. Je n'ai plus de Noël depuis des années. Tu en auras un cette année? Quand elles étaient petites, je leur faisais des Noëls. Je les amenais au salon, on leur mettait des rubans dans les cheveux. Je te montrerai les albums. On gardait la crèche la moitié de l'hiver, tellement elle était réussie. Chaque année, avec des nouveaux éléments. Les voisins sonnaient pour la voir. On ne transmet pas les choses, on ne transmet rien. Chacun a sa vie. Oh, ma vie, c'est toi maintenant. Je marche dans le parc avec ma nouvelle vie. Je venais dans le temps avec les enfants. Je m'asseyais sous le hêtre d'Orion. Je suis contente que les arbres me voient passer avec toi. Tout ce que j'ai connu sans toi, ces arbres, ces allées, me voient passer à ton bras. Je suis si contente d'être avec toi au grand jour. Ne trouvez-vous pas Olmo? Et je dis à Olmo Panero, dans le café où nous nous retrouvons après la répétition, que je manque d'insolence. Dans la première robe des Goya, j'aimerais apparaître avec insolence. Comme les actrices américaines, autrefois, dans les cabarets, quand elles jouaient des gitanes ou des poules mexicaines. Cette morgue de corps que vous avez, vous, les Espagnols, je manque d'abattage, je manque d'impudeur, je suis gentillette sans surprise, je suis la comédienne honnête qu'on engage les yeux fermés. Vous n'en répondez pas. Votre silence, et je dis hurlement, peut signifier deux choses. Ou bien, vous ne comprenez pas le français. Vous hochez pour donner le change, mais vous ne comprenez rien à ce qu'on vous dit. Je penche pour cette interprétation. Ou bien, vous partagez mon analyse. Vous la partagez tellement que vous n'avez même pas la force d'opposer une résistance de pure forme. Toutefois, et j'ajoutais, laissant une femme se dénigrer, sans la contredire, traduit un curieux manque de savoir-vivre chez un homme qui vient d'un pays où, il y a peu, vous jetiez vos capes dans les caniveaux pour que nous puissions traverser les rues sans nous mouiller les pieds. Christelle est enceinte! Tu n'aurais pas un pot d'eau chaude, maman? Le thé est complètement noir. Si tu préfères que je me tienne en cuisine et que je ne réapparaisse pas, il faut me le dire, hein. Je ne sais pas où tu mets les choses. Pourquoi tu te vexes? Je ne me vexe pas. On ne me dit jamais rien. Je suis toujours la dernière informée. Je suis juste surprise que Christelle, qui est la plus normale de vous trois, ne m'ait rien dit. Mais bon, finalement, rien ne me surprend. Tu ne veux même pas savoir comment on la trouve. Comment vous trouvez qui? Fernand, maman. Ton fiancé. Ça ne m'intéresse pas, ce que vous pensez ne m'intéresse pas.
Vous ne parlez pas si fort, il est à côté. Bah, on le trouve sexy. Ah oui. Votre avis ne m'intéresse pas. Il ne fait pas tellement plus jeune que toi. Non. Ça m'est complètement égal. Peut-être pourrait-il se coiffer légèrement. Plus en arrière. Je lui mets de l'orille. Elle est enceinte depuis combien de temps? 2 mois environ. Tu devrais mettre ta robe mauve de canne. Je trouverai, maman. Non, t'inquiète pas. Tu sais, c'est pas grave de mettre 2 fois la même robe. Sharon Stone le fait. Je verrai, maman. Ok? Laisse tes cheveux défaits. Je suis sûre que Gary te préfère avec les cheveux. Mais pourquoi tu dis Gary? Mais tu le connais pas. Pourquoi tu dis Gary? Je suis imperméable. Mais tu connais pas Gary Tilton. Pourquoi tu dis Gary? Elle dit Gary? Je dis Gary et si ça ne vous plaît pas, c'est le même prix. C'est un crime de dire Gary. Tu veux du thé, maman? Mais pourquoi tu fais cette tête de victime? C'est infernal, cette tête de victime. Quand ta fille a fait la soupe de terre chez Beppo, tu étais au bord des larmes. Quel rapport? Elle t'a mise au bord des larmes en te répondant à 3 ans, alors tu verras plus tard. Tu as rencontré ses enfants? Quels enfants? Les enfants de Fernand. Le fils qui est charmant. Pas la fille? Pas encore. Il fait quoi, le fils? Ça ne te regarde pas. Ah bon? Ça ne te regarde pas. Vous, il faut chuchoter votre vie, moi je dois étaler la mienne. Eh bien non, tu vois. Il est facteur. Il est facteur. Pensez ce que vous voulez. Maman, c'est grotesque, tu me l'as dit. Un facteur, j'aime beaucoup. Il est absolument pas facteur. Mais tu me l'as dit, maman. C'est... Qu'est-ce qu'il est alors? En tout cas, pas facteur. Ah ben c'est dommage. Si tu me dis. Qu'est-ce qu'elle est chiante. De qui tu parles? Tu parles de moi? Oui, tu es chiante, maman. Elle est complètement hystérique. Moins que toi. Bon, moi, c'est celle mon tu. Je m'en vais. Je viens ici 3 fois par an et 3 fois par an, il y a un drame. Tu la laisses me gifler sans prendre ma défense? Casse-toi. Casse-toi. Pour moi, vous êtes folles toutes les deux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Tu pars? Elle me traite mal, Fernand. Elle m'a giflé. Mais à vous, tu cherches, maman, aussi. Hein. Mes filles me traînent dans la boue. Elle t'a giflé, pourquoi? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Ça ne te suffit pas qu'à 40 ans passés, je sois giflée par ma mère? Elle lui a dit qu'elle était chiante. Elle a dit qu'est-ce qu'elle est chiante? Vous ne pouvez pas parler comme ça à votre maman, elle n'a pas votre âge. C'est votre maman. Vous avez raison, Fernand. Elle n'a pas notre âge, d'ailleurs, elle s'applique très bien de ne pas avoir d'âge. Et elle réussit très bien. Tu réussis très bien. Excusez-moi, Fernand, c'est assez gênant ces effusions devant nous. Au moins, lui, il prend sa défense. Alors que ton mari en profite pour s'en jeter un énième, tiens. Allez, personne ne se protège jamais. Pourquoi veux-tu être protégée? Mais qui est protégée? Ben, ça n'existe pas, ça. Hein. Je tiens à dire que je ne compte pas me réfréner en quoi que ce soit. Je vais être moi-même avec Pilar, y compris me comporter en tourtereau quand l'envie m'en prend. L'horizon est trop court dorénavant pour que je m'emmerde avec le conformisme. Mais évidemment! Évidemment quoi? Crystal est enceinte. Crystal est enceinte? De son amant? De son amant. Elle a un amant? Mais non! Crystal a un amant? Non, je plaisantais. Mariano, j'exige la vérité. Non, je plaisantais. Mais elle t'a dit bravo, donc c'est vrai. Ne me prenez pas pour une gourde. Crystal a un amant et personne ne sait de qui est l'enfant. Oh, je suis tellement... Hé, hey, quand on voit les enfants qu'elle a fait avec Hannibal, remarque. Ouais, c'est vrai. Ils sont très beaux. Très beaux? C'est bizarre cette manie de trouver tous les enfants beaux. Il y en a des laids, hein. Mais les enfants Crystal sont beaux. Les enfants Crystal sont laids. Ils sont gros, ils ont le nez aplati d'Hannibal. Et sans haleine. Oh, c'est très déplacé, ça, Marianne. C'est vraiment déplacé, Marianne. Oui, c'est déplacé. Excusez-moi. Tu n'y dis plus rien. Bah non, il est atterré par nous. Mais il y a de quoi, hein. Moi aussi je suis atterrée. Je suis triste. Je trouve tout ça triste. Je trouve triste que les choses aient si peu de consistance. Je trouve triste que votre sœur ait un amant. Le temps file au jour le jour, on peut se moquer de tout. Je suis encore de la vieille école. Vous n'êtes pas de la vieille école, Fernand. Vous êtes d'une école enviable qui suppose que l'existence mène quelque part. Vous êtes juste mal tombée chez nous. Chez nous? Elle dit chez nous? Hé, hey, quel chez nous? On se retrouve dans cette configuration même pas 2 fois par an, Fernand. Cette petite réunion en votre honneur, là. Même pas 2 fois par an, mais absolument pas à vous en faire. Je te l'avais dit. Vous ne fêtez même pas Noël, je sais. Ni Noël, ni rien. Nous ne savons pas créer une atmosphère de fête. Nous ne savons pas créer une atmosphère légère. Nous ne savons pas nous détendre. Lorsque nous sommes ensemble, en famille, il n'y a aucun repos. On finit toujours exténué, à bout. Mais tout le monde est à bout ici. Même vous, c'est évident, vous êtes à bout. Fernand.
Nous ne savons même pas maintenir les apparences parce que nous ne sommes pas assez heureux, sans doute, quand nous avons. Pour maintenir les apparences les plus élémentaires, on s'en fout. Non, mais reste encore un peu. Mais pourquoi veux-tu qu'elle reste? Si elle veut partir, tu la laisses partir. On va pas laisser cette bouteille toute seule. Marianne, tu as des copies à corriger ce soir. Et alors, tu conduiras, je dormirai un peu dans la voiture, je serai impeccable en arrivant. Où habitez-vous? Santa Fina. Ah, c'est joli par là. Oh, c'est horrible. Avant, c'était pauvre et beau, maintenant, c'est pauvre et laid. Je pense que les pauvres deviennent un peu riches. Hein. Pas moi, ni moi. Vous n'êtes pas heureuse, Nouria, avec le succès que vous avez? Je dis une bêtise? Tu ne dis pas de bêtise, mon cher. Je vois bien que je dis une bêtise. Amen, non. Je dis une bêtise sûrement, mais je n'ai aucun contact avec ce monde. Je ne connais pas les vedettes. Enfin, je veux dire les artistes. Vous devez le comprendre. Vous n'allez pas vous justifier, Fernand. Vous devez comprendre que les gens comme moi, nous apprécions le succès et nous le considérons comme une gratification. Je n'ai pas la folie de comparer votre succès et le nôtre, mais j'ai toujours été heureux d'être plébiscité par la clientèle. La concurrence est farouche. Combien préfèrent sous-payer leur syndic et renoncer à la qualité de la prestation? Il n'est pas facile de faire admettre le rapport qualité-prix. Être réélu, savoir enjamber tous les obstacles, même l'inertie, Mariano. Être réélu, savoir entretenir la confiance contre vents et marées. À la longue, il n'y a pas de hasard. Vous engagez votre vie dans une direction et on vous dit que cette direction est la bonne, que la place que vous avez choisi d'occuper parmi les hommes est juste. Je vois là, pardonnez-moi, même si je ne compare pas, à la fois succès et consolation mêlées. Être reconnu pour ce qu'on veut être vous rend le monde moins hostile. Je dis peut-être une bêtise, mais on ne peut pas avoir tort d'être heureux, même pour pas grand-chose, pour une victoire minuscule. Hein. Je ne compare pas. Qui reste quand même une victoire sur l'inutilité, l'obscurité, le temps qui passe et nous rejette dans le rien. Lily, vas-tu me gronder pour ce débordement? Est-ce que j'ai été une mauvaise mère? Oh. Mariano, ça me reprend. Voilà, ça me reprend, Mariano. Restez dans quatre temps. Qu'est-ce que là? Je me dissous. Elle se dissout comme un cachet. Et après, le sol se dérobe. Mais je vais tomber. Je vais tomber. Le sol glisse. Le sol glisse. Le sol glisse. Je me dissous. Tu dis quoi? Ma fille est en crise d'angoisse, maman. Crise d'angoisse, mais pour quelle raison? Peu importe. Ma vie n'a aucun relief. Aucun relief. Le temps est vide. Respire. Regarde-toi, mon pauvre amour. Avec ta tête cadavérique. Tu n'aspires qu'à la paix. Tu ne veux que la paix. Un autre appartement a coûté 10 fois trop cher. Je le hais, cet appartement. Je le hais. Le sol glisse, Mariano. Mais tout est moche. Tout est moche. Le plancher, les pressions de travers, tout est moche. La peinture, tout est moche. On ne fait rien de bien, Mariano. Tout ce qu'on fait est raté et ne sert à rien. Et après, on dit le temps passe. Pas seulement passe, avec cette fatalité mièvre, on dit le temps passe et moi, je vois des feuilles mortes planant dans l'air et l'automne et l'hiver et le printemps. Moi, le temps me fout en l'air, Mariano. Le temps me démolit. Le temps me démolit. Je ne ferai rien de ma vie, Mariano. Mais vous êtes jeune, Aurélia. Non, non, non. Mais tu ne peux pas me laisser dire que je suis jeune. Qu'est-ce que tu es alors? Tu es quoi? J'en ai assez d'entendre des idioties pareilles. Elles vont finir par me rendre vraiment folle. Elles vont finir par rendre folle une femme qui a toujours été la plus équilibrée. Ah, si vous pouviez lui dire, nous n'aurons pas tout ramené à elle. Je fais une crise d'angoisse. Et c'est elle qui devient folle. Oh, Fernand, c'est la pire après-midi possible. Je suis si déçue que ça se passe mais, comme ça. Rien d'eau. Non mais il est enchanté, il échappe à l'ennui mortel. Vous êtes au théâtre, Fernand, tiens. Vous qui aimez le théâtre. Bon, mais il est où le Valium? Mais tu prends du Valium? Je m'en garde, maman. Un joli petit couple, hein. Un poivron et une droguée. Si tu pouvais laisser tomber de temps en temps l'ironie. C'est tellement chiant cette autodérision permanente. Tiens, ton ange. Ça se tangue encore, mais je ne me désintègre plus. Coupe-moi une tranche de cake. Quoi, le cake infâme? Mais il faut que je mange, il faut que j'en fasse quelque chose. Ça y est, elle chiale. Ça suffit, hein. Moi aussi je pourrais sortir de mes gonds. Mais elle peut sortir de vos gonds, maman. Maman, ne pleure pas, ne sors pas en sucre, s'il te plaît. Elle n'est pas en sucre.
Elle pleure parce que vous la faites pleurer. Elle pleure de façon éminemment légitime, si vous voulez mon avis. Je ne comprends pas ce plaisir à vouloir blesser un être qui ne ferait pas de mal à une mouche. Il n'y a rien de pire que les gens qui ne feraient pas de mal à une mouche. Les gens qui se prennent de pitié pour les inoffensifs peuvent au contraire vous faire le plus grand mal. Mais quel mal elle vous fait ? Mais quel mal je vous fais ? Allô ? I'm coming. I'm leaving right now. I tell you. Je ne crois pas qu'on puisse répondre à cette question. À la fin, Sonia Alexandrovna dit à l'homme qui ne la regarde même pas : mais quand nous reverrons-nous ? L'homme répond : pas avant l'été. Je pense, en hiver, ça ne sera guère possible. L'homme habite, j'imagine, de l'autre côté de la forêt. En hiver, en ce temps-là, il y a le froid, la neige, les nuits infranchissables. Alors, pense-t-elle, je verrai seule les fleurs sur les branches amandiers. Et puis je verrai seules les fleurs voler et blanchir le sol. Un homme quitte la scène et s'en va pour une longue étendue de temps. Et celui qui reste, reste pour une longue étendue de temps. Quand je prenais des cours de théâtre, on nous disait « Tu es une pomme, tu es le vent, tu es le rire. » C'était il y a longtemps. Je ne me posais pas de questions. Je faisais la chaise, l'eau, le moustique. Je faisais le rouge, le jaune, le près, le loin. Je pouvais aussi faire « tu existes » et « tu n'existes pas ». Je pouvais ne plus rien aimer et faire l'aridité du monde. On trouve cette phrase dans une lettre de Tchekhov à Olga Knipper. Tu es d'une froideur infernale, comme en fait doit l'être une actrice. Je croise Fétanani dans la queue de la boulangerie qui me félicite. La boulangère me félicite. Je vais chercher mon marché Touya qui me félicite. Partout on me félicite. Touya me dit : je savais que Nouria aurait le prix. Qu'est-ce qu'elle en sait ? Qu'est-ce qu'elle y connaît au cinéma ? Les gens s'accaparent les événements. J'ai dit, vous avez de la chance, Touya, parce que nous, on ne savait rien du tout. Tout le monde me demande si elle est avec Gary Tilton. Je réponds que je n'ai pas le droit de le dire, ça fait plus au courant. Pourquoi ça doit rester un tel mystère ? Je devrais être heureuse, et je ne suis pas heureuse. Crystal a trouvé qu'elle était trop maquillée et qu'elle n'aurait pas dû remettre la robe de Cannes. Venant de Crystal, ça ne veut rien dire. Remarque, si elle a un amant, peut-être qu'elle s'arrange un peu. Elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, je n'ai pas dit que je le savais, mais j'ai failli demander de qui, figure-toi. Aucune nouvelle d'Aurélia, hein, tu leur sacrifies la plus grande partie de ta vie, et un jour tu n'es plus personne, mais vraiment plus personne. Est-ce que tu me trouves encore belle ? Je sais que tu me l'as déjà dit, mais il faut me le dire à nouveau, parce que je sais que c'est plus la vérité. Tu es belle. Mais à côté des filles, j'ai l'air d'une pomme fripée. Tu es plus attirante que tes filles. Oh, tu exagères. Tu es plus fraîche que tes filles. Plus fraîche ? J'ai toujours mené une vie saine. Il fait beau, mais le parc est triste. Crois-tu que de beaux jours m'attendent encore ? Les beaux jours dépendent de nous. Est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Pilar, ce n'est ni d'herbe, ni d'arbres, ni de buissons dont tu as besoin. Ni des fulgurances. Allons rue Velasquez, acheter la cape réversible, la colle de renard. Il fait trop autrichienne. Quelle importance ? Tu ne trouves pas qu'elle fait trop autrichienne ? Si tu l'aimes. Mais je l'aime, mais je n'oserais pas la porter. Alors autre chose, ce qui te fera plaisir. Je me sens d'humeur à dépenser, j'en ai marre des moineaux. Je veux du bruit, des voitures et des vitrines. J'ai mal aux pieds. Achetons des chaussures. Des chaussures plates. Des chaussures plates, c'est mieux pour marcher sur les graviers. Oh, je te tire en arrière, je te freine, mon amour. Aucune femme n'est en mesure de me freiner. Tu es si jeune, tu es si enthousiaste. Nous sommes jeunes et enthousiastes, et nous allons mener grand train. Pilar, voudrais-tu m'épouser ?
Qu'est-ce que tu dis, Fernand? Répète-le, répète-le. Je suis pas sûre d'avoir entendu. Aurélia, je me demande parfois comment nous finirons. Les sujets entre nous, ça me nuise. Ne sommes-nous pas certains jours comme deux étrangers en fin de vie? Viens avec moi choisir mes lunettes. Et pitié, je ne veux pas devenir comme ces types que je vois à la télévision. Une cohorte de spectres, cheveux de jais, hublots fous. Je bois trop. Trop. J'ai lu dans un livre que le cerveau humain avait besoin de confusion et de pagaille. Il ne sent rien de bon de la clarté. Sergio Moratti m'a réservé une chambre attenante à la sienne, dans son asile. Ne laisse pas seul. Viens avec moi acheter les lunettes. Je voudrais encore ressembler à quelque chose devant la classe. Surtout, à vrai dire, devant cette petite pute, la reine Chamendes. Viens avec moi. Recompose ton petit mari. Je suis quand même pas si mal, quand même, pour 50 ans, non? Vous gagneriez à tuer vos personnages, Olmo, hein? Avant qu'ils se délitent et finissent aussi lamentablement que des gens réels, chacun dans son coin, mourant à petit feu, avec des rêves cons, abandonnés en route comme des plures. Ouais, des rêves cons. Et puis plus de rêves du tout. Vous ne serez pas longtemps respecté si vous n'usez pas de votre droit de vie ou de mort, hein. Vous avez tout à perdre à être compatissant. Tôt ou tard, il faudra vous montrer plus radical, mon petit Olmo. Chaque mardi, j'ai traversé le fleuve pour venir chez vous. Je l'ai traversé pour venir et aussi pour repartir. Au retour, souvent, je me suis penchée pour regarder l'eau. Les débris mélancoliques, les vagues, l'étincelant du soir. Il y a une certaine lumière, le soir, qui purifie le cœur. Les éléments nous viennent en aide sans qu'on sache comment. Je me suis présentée à vous sans rien espérer. J'attendais pourtant quelque chose, comme on attend de la vie. Tout le monde attend quelque chose qui n'est pas nommé et qu'on ne sait pas. Une sorte d'atténuation de la solitude, sous n'importe quelle forme. Une place, même austère. Un privilège à soi. Voulez-vous, puisque c'est notre dernière fois que je vous joue ce prélude? Ceci est mon va-tout, monsieur Kiss. Je vais le jouer comme je vous l'ai expliqué. Pas de parole, ni d'image. Vous allez vous lever, vous retourner et me regarder. Et vous trouverez chez moi non pas la résignation que mon allure, mon manteau plié sagement sur le siège et mon cartable de partition trahissent. Vous trouverez un chagrin sans pitié et une amorce de joie. Levez-vous. N'ayez pas peur. Je ne veux pas être aimée pour de vrai.